Moi je suis déçu parce que je suis surtout déçu pour mes joueurs. Parce que je pense que notre production de ce soir, sur un terrain difficile, fait qu'aujourd'hui j'ai une pointe d'amertume par rapport au résultat et à l'issue de cette rencontre. On savait que ça jouerait sur des détails, c'est le froid réalisme des Ligue 1 et donc je suis déçu. Je suis fier du comportement de mon équipe, de mes joueurs, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, tant sur le plan mental que sur le plan physique. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est des garçons qui travaillent tous. Pour certains ont travaillé ce matin, je veux leur rendre hommage et puis leur dire que effectivement c'est un match et une défaite qui servira certainement notre progression à l'avenir. C'est cruel parce que dans le jeu vous avez plus que rivalisé. C'est plus que cruel, justement c'est ce qui... Je viens de leur dire que voilà, c'est ce qui me rend amer pour rester poli. Voilà, je suis déçu pour eux. Voilà, on n'est pas passé loin, en plus il y a eu un scénario qui a fait qu'on y a cru et puis il y a des rentrées chez eux qui ont été déterminantes, sur de la fatigue chez nous. Voilà, c'est ce que je craignais, c'est de sortir, et ce que je leur avais demandé, c'était de jouer le match, ils l'ont fait, et de ne pas avoir de regrets, et on en a un petit peu. Par rapport à ce qu'on a produit ces derniers temps, non. Maintenant, c'est indéniable que je savais aussi que ce match était dans la tête de mes joueurs depuis le tirage, et que ça explique nos dernières productions, certainement. Voilà, c'est ce qu'on est capable de faire. Je pense que, ça reste, même si ça reste brouillon sur un terrain difficile, je pense qu'au niveau du jeu et de l'envie, on est sur la bonne voie et c'est dans cette voie-là qu'il faut continuer absolument pour petit à petit se rapprocher des marches qui nous rapprochent du national et pourquoi pas y aller un jour.